Alors voilà, Jean-Paul Huchon ne veut pas du Grand Paris tel que le gouvernement le propose. Votre mission aujourd'hui à vous, c'est de sauver le Grand Paris ? Je crois que le Grand Paris ne doit certainement pas être le bouc émissaire des élections régionales. Pourquoi ? Parce que le Grand Paris, c'est la volonté de l'État d'investir massivement en Île-de-France. Donc c'est une chance pour la région. Et donc je crois que demander, comme le fait Jean-Paul Huchon, le retrait, j'allais dire, c'est ni constructif, ni utile, ni efficace pour les Franciliens. Il vaut mieux construire ensemble le Grand Paris, peser sur le Grand Paris, faire entendre la voix des Franciliens et des élus pour faire ensemble ce Grand Paris. C'est pour ça que je réunirai de mon côté tous les élus qui le souhaitent pour débattre avec Christian Blanc de son projet et l'améliorer ensemble. Vous avez le sentiment d'avoir été pleinement soutenu par l'ensemble des acteurs politiques de l'UMP en Île-de-France ? Bon, la réponse sera nuancée. Il sera nuancé. J'ai été très soutenue par le président de la République, c'est vrai, parce qu'il avait souhaité le renouvellement en Île-de-France. Il souhaitait aussi porter des projets d'avenir comme celui du Grand Paris. Après qu'il y ait eu des divisions dans mon propre camp, je crois que ça s'est malheureusement vu pendant cette campagne. Je le regrette parce qu'en jouant la division, certains de mes amis politiques ont pris le risque d'affaiblir leur propre famille politique. Ce n'est pas ma conception de la politique.